L'humoriste se met en scène sur les réseaux sociaux en raillant le style des rappeurs en couverture des Inrecuptibles ces dernières semaines. Réponse cinglante du Boulonnais sur son compte Instagram. Laurent Gérard tient absolument à faire la couverture des Inrecuptibles. Ou à railler le magazine et les rappeurs qui en font la une point depuis quelques semaines, l'humoriste, un brin moqueur et pas très fin, tente le tout pour le tout. Le 19 février, l'imitateur avait publié une photo de lui sur son compte Twitter, bonnet sur la tête, et avec le magazine culturel dans les mains, accompagné du message suivant. Moi aussi je peux faire la couverture des Inrocs, si je mets un bonnet. Une référence à Aurel San, en une de l'hebdomadaire, quelques jours après avoir remporté 3 victoires de la musique. Fermez les guillemets victoire de la musique 2018. L'éclatant triomphe d'Aurel San, comme si cela ne suffisait pas, Gérard s'en est pris ensuite à Booba, en couverture du magazine, il y a quelques semaines. Veste zippée, casquette noire et mou boudeuse. L'humoriste s'est de nouveau mis en scène mardi, avec le magazine dans les mains, se pillant la tête du Boulonnais. Et si je mets une casquette et un survêt, je peux faire la couverture des Inrocs. Fermez les guillemets, Booba rêve d'un dernier album avant de tirer sa révérence mercredi. C'était au tour d'Eddie de Preto, qui vient de sortir son album Cure remarqué par la presse, de passer sur le grill. Et si je mets l'impé de Colimbo, les chaussettes de Bjorn Borg, et que je me fais la coiffure d'Agnès Varda, je peux faire la couve des Inrocs, a-t-il publié dans un post satirique. Fermez les guillemets, Figaro Live Music, revivez le concert privé d'Eddie de Preto. Eddie de Preto, 5 choses à savoir sur la nouvelle sensation musicale, un comique de répétition, qui approche la lourdeur pour certains, à l'instar de Booba. Le rappeur est monté au créneau jeudi en publiant une réponse cinglante sur son compte Instagram. Le Boulonnais y a posté une photo du tweet de l'humoriste à laquelle il a ajouté le message suivant. Même en costard tu la feras pas, ni celle de GQ. Faut avoir du talent pour ça, une vraie carrière, du style, pas de préjugés, et ne pas boire de villageoise. D'ailleurs qui es-tu? L'humoriste réagira-t-il, lui qui n'a jamais caché sa répulsion pour le rat. Une propension qui lui a déjà valu quelques clashs. Invité sur le plateau de Vivement Dimanche, il y a 4 ans, Laurent Gérard s'était moqué des paroles d'un titre du groupe de Ryan. Akhenaton. Son leader avait riposté tardivement, mais de manière virulente, qualifiant l'humoriste d'abruti.